Là, je passe que des bons moments, mais il y a eu également avec l'équipe avec les Boniface, avec Mazot, les Villepreux, il y a eu des Clacade, il y a eu des Spanghero, Doga, il y a eu des sales moments. Et c'était en 66, on allait à Cardiff, on jouait contre les Gallois. Et si nous gagnions, c'était le premier grand chelem de l'équipe de France. Il restait 3-4 minutes jouées, on menait de 2 points. Je suis amoureux de l'attaque avec les Boniface. Ben au lieu de taper en touche, j'ai pris le ballon, j'ai attaqué, j'ai débordé le troisième ligne qui venait et j'ai pris le trou entre Watkins, c'était le demi d'ouverture adverse, et le centre. J'ai pris le trou dans le dos, mais Watkins allait très vite et il m'a rattrapé. Et j'ai vu André Boniface à une dizaine de mètres et j'essayais de lui faire une passe en tombant, une passe lobée. Malheureusement, j'ai horreur d'écran. Hein. Malheureusement, Stewart Watkins, qui mesurait 1m88, 89, a saisi la balle et il a battu, il a parcouru tout le stade, il a fait 100 mètres, il a marqué un essai et nous avons perdu d'un point et l'équipe de France a été battue. Nous n'avions pas obtenu le grand chelem, le premier grand chelem de l'histoire du rugby français. On nous en a voulu puisqu'on a été remercié avec les Boniface. On a été exclu de l'équipe de France parce que j'avais fait cette mauvaise passe.